Merde, putain, j'ai pas pu tout envoyer, gros. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, on se continue le petit RP. J'ai changé de voiture! À la Wagba! Je remercie Titou qui m'a fait un petit prêt. Du coup, je vais le rembourser là. Voilà, on peut aller, les gars. C'est tout ce que je voulais dire. Je veux mon pognon! T'inquiète, t'inquiète, ça va être vite remboursé, frère. Oh là, mec. Aïe! Ouais, les dégâts là-haut! Ça part en couille dès le début là. Attends, je vais se passer, vas-y, passez, puisque là, vous dérangez. Vous dérangez. Faites gaffe, les flics, ils sont partout, les gars. Tous les taxis, est-ce que tous les taxis m'ont envoyé leur destination? Ouais, frérot. Ah, yep. Oui, oui. Bah, attends. Je vais faire du sale, moi, t'inquiète. Rouler jeunette. Oh. Je reste ici et moi je descends, ok? Comme ça on peut contrôler les deux voies. Putain, sur l'autoroute c'est calme. Faut le temps qu'on y aille aussi. Mais y'a aucune voiture. J'allume mon gros joint pour le voyage. Reconnaissance. Oh, ça demande des reconnaissances dès le début, frère. Ah ouais. On n'est même pas arrivé à l'autoroute. Reconnaissance acceptée. Wesh, frère. On est dans la merde. Faut faire pas du chiffre, messieurs, ce soir. Ouais, mais pas. Bientôt les présidentielles. C'est sûr, ça peut pas être des. Ouais, comme dans GTA. Voiture 6 à voiture 9. Je vais faire un tour sur l'autoroute. Oh non, ils font trop les mecs RP. Ah gars, vous allez pas nous avoir. J'ai hâte d'être sur l'autoroute là pour pouvoir tester mon petit bolide. Ouh, 170. Ah gars, je vais bombarder. Ah, j'ai hâte, frère. T'imagines même pas, tu vois. Ouais, bah tu veux pas bombarder longtemps, il y a une méga NRS en mon cul. Bah ouais, mais si je vais à 170, frère, il peut rien me dire. Il peut rien faire. Grave. Si, il peut rester derrière. Tranquille. Mec, je suis à 150 là, je suis. J'ai que ça même pas, j'ai trop. Et juste par contre, quand il y a le PNJ, on peut passer entre les trucs, hein, puisque les PNJ sont chiants. Ouais, non, c'est celui-là qui roule à droite. Ça compte comme si, moi je laissais les gens passer entre les trucs. Bah, moi je serais exigeant. Ah, ouais. Non, 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 mais les PNJ. Mais t'étais pas là alors l'autre fois, les PNJ ils faisaient que nous saouler, ils sont hyper loin. Elle va trop vite la voiture en face. Mais je suis même pas à l'autoroute, les gars, j'en suis très très loin. Non. Ah ouais, frère. J'ai voulu contourner, mais je connais pas trop encore bien la map et tout, tu vois. Ouais, t'as contourné à fond. Ouais, mais tranquille, t'inquiète, j'arrive, c'est pas un souci. T'es encore en ville? Ouais, je sais. Ah, c'est pas un tour, tranquille, tu vois. Parce que là, je suis en train de voir une voiture. Quoi, tu fais du. Oh, reconnaissance hélico, elle dure pas 40 ans, abusez. Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Ah non, non, pas le droit de regarder les noms. Avec les feux, tu sais. Il y a une voiture qui arrive sur moi. D'accord. C'est pour moi ou pas? Je comprends pas. Ok. Bonjour. Hop. Bonjour monsieur, papier est cuisiné, s'il vous plaît. Tenez. Alors, ça fait bonjour monsieur. Attendez, on va attends. Attendre qu'il est fini. Pas du tout. Alors, d'accord, je. D'abord, je voulais me faire un petit contrôle avec personne, s'il vous plaît. D'accord. Vous dépassez. Les véhicules par la droite. Par la gauche, c'est normal parce qu'ils sont sur la voie de droite et vont très lentement. Non, moi je vous ai dit par moi, la je droite. Bah, c'est normal, on dépasse par la droite en Australie. Entre les voitures, votre réponse est très bonne. Ça, je vais pas vous contredire.
mais vous zigzaguez entre les voitures, vous dépassez à droite, merde. À gauche, sans arrêt. J'ai pas dépassé de voiture à droite, il y en avait aucune qui était sur votre gauche. Si, si, et je vous ai même suivi, monsieur. Ah bah ça, j'ai bien remarqué, merci. Donc, je vais pas être méchant, mais je vais vous mettre une petite amende, plus un petit retrait de points. J'attends mon collègue, il arrive. 1000 euros pour un point. 1000 euros ? Oui, monsieur. Mais vous abusez ? Non. Non, tu bouges pas. 1000 euros, c'est le prix d'un contresens. Bah oui, mais comme ça vous saurez que la prochaine fois, enfin voilà quoi. Sur le côté, monsieur, sur le côté, s'il vous plaît. Les autres usagers de la route roulent à droite alors que c'est à voie de dépassement. Moi je ne peux pas dépasser, comment je fais? Et bah vous passez au tête arrière. Sauf que. Bonsoir, monsieur. À moins que vous. Bonsoir, attendez, je recommence par un. C'est fini là. Ouais. Eh bah arrêtez de faire des gros coups tous les 10 secondes. J'entends rien. Non, pas gros coup de bouton. À moins que vous fassiez escorter par un de nos agents. Ouais, sauf que, non. À mon avis, si je leur demande, ils vont me foutre un gros vent, donc c'est pas logique. Ou pas, monsieur. Moi, fallait me. Bah, si je tombe sur vous, je pense que je vais me prendre un gros vent, ça c'est sûr. Ou pas, monsieur. Donc ça sera un point plus 1000 euros d'amende. Mais attends, attendez. Max vient de prendre. Max vient de me prendre. Vas-y, backer, c'est le mot. Je te l'envoie en message ou pas? Non, c'est moi qui te l'envoie. Arrêtez de parler. Ok, non. Vous pouvez me sortir les papiers du véhicule, s'il vous plaît. Éteindre le contact. C'est Lucas. Merci. Je vais vérifier. Ok. Je vais. Attendez. Allô, centrale. Ouais, centrale, c'est moi. Oui, j'aurais voulu vérifier une plaque. La plaque de. La plaque de. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Tarkinex. Tarkinex, comme par hasard. Alors, Tarkinex, c'est S4AR666. S4AR666, c'est bien ça. Bonsoir, monsieur Tarkinex, j'aimerais savoir ce que vous transportez dans votre véhicule. Je n'ai pas à vous dire ça, monsieur, car je n'ai aucun motif. Enfin, vous n'avez aucun motif de contrôle. Oui, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire pourquoi je vous contrôlais. C'est pour vos zigzags un peu, là, vos... Voilà, j'ai, j'ai le terme défaut de maîtrise du véhicule. Pour moi, vous étiez un peu trop. D'accord, sur monsieur. Deux voies, vous jouez un peu trop. Oui. Je vais juste vous dire, monsieur, je suis chauffeur professionnel. Cela fait 48 ans quand même, hein, monsieur. C'est... Oui, monsieur, j'ai juste envie de vous dire un truc. Non, mais, monsieur, monsieur, écoutez-moi, écoutez-moi. Caméra, sépare-moi. Oui. Je suis avec la BM, je vais vous laisser partir parce que vous. Apparemment, la médiane. Qu'est-ce que je dois constater avec la caméra? Oui. Bah, que je n'ai point zigzagué, monsieur. Monsieur, vous aviez un collègue derrière. Vous aviez un collègue à moi derrière. Doublé. Appelez-le, monsieur. Au moment où je suis. Bah, monsieur, laissez-moi finir. J'avais un collègue à moi derrière vous. Et au moment où je suis arrivé sur le côté, vous êtes passé juste devant moi. Donc, effectivement, j'ai constaté sans un clignotant, sans même. Voilà, pour moi, c'est du zigzag. Donc, mais c'est on a pour pas ça de que je vous demande de vous. Monsieur. Mais ouais, je n'ai pas de clignotant. Mais excusez-moi, c'est. Monsieur, j'ai pas le temps d'épiloguer. Vous auriez pu créer un accident, donc je suis obligé de verbaliser. Défaut de maîtrise du véhicule. Mais monsieur, j'ai juste doublé un. Monsieur, j'ai juste une chose à faire. Vous constatez après avoir signé un point, c'est tout. D'accord. Allô, centrale. Centrale, ouais. Oui, j'ai comment on appelle ça un défaut de maîtrise de véhicule. Je voulais savoir qu'est-ce que je pouvais faire, quelle était la sanction pour ce monsieur. C'est de la mise en danger non plus. Voilà. C'est de 1000 à 2000 euros, mais c'est pas énorme, donc du coup tu lui mets 1000 euros. Je vais lui mettre 1000 euros. Tu lui mets 1000 euros et un point. Voilà, 1000 euros, monsieur. Est-ce qu'on a le droit de faire des fleurs, on va dire? Vous avez le droit de faire des fleurs, oui, évidemment. C'est-à-dire, par exemple, lui mettre 1000 euros et aucun point, par exemple. Ouais. Ouais, mais c'est pas ce que je vais faire sur ce coup. Merci beaucoup. Oh là là.
Non, je rigole. Allez-y, monsieur, je suis bonne augure aujourd'hui. J'ai passé une bonne journée, donc je vais juste vous mettre 1000 euros et on va éviter le point, d'accord? Non, monsieur. Allez, les bon, circuits. Bon, monsieur. À vous aussi, merci. Au revoir. Donc, c'est à moi, merci à vous. Bonjour, contrôle des véhicules, s'il vous plaît, votre plaque est correcte, je l'ai vu. Vous avez rien, vous avez entendu parler de transport des immigrés et tout, par hasard? Ah oui, j'ai entendu parler, mais c'est pas. D'accord, puis-je savoir qu'est-ce que vous transportez? Est-ce que j'ai fait des routes? Non, j'avais pas fait l'infraction. Bah, vous pouvez aller. Je vous rends vos papiers, si vous pouvez y aller. Ouais, non, mais je me tiens à point, désolé. Non, mais je me tiens à point, il y a plus. Là. Bonjour. J'ai un véhicule en très grande vitesse direction mine. C'est une Subaru Legacy RS normalement. Et c'est XP, sa plaque est XP51 7AI01. Oui, j'étais en train de mettre un point sur le carte. Suis, il fait du tout terrain. Il traverse la piste d'aéroport. Celui que tu suis, c'est un flic, en fait. Ok. Ah, je suis désolé. Celui qui fait du terrain, c'est la Lambo. Putain, il avance pas, le P. Oh, monsieur, là, devant, avancer là. J'ai une livraison, pas les 170, vous êtes à 180 km/h. Ah, il tourne, ça va. Quoi, il a pas tourné? Eh hey, le faux espoir. Oh, putain, les gars, que les pas, on a intervention. Ah, excuse-moi, excuse-moi. Avec le Jeep, suivez-moi, je vous escorte. Ah, merci. Non, mais en fait, je voulais m'arrêter, mais mon frein a arrêté de fonctionner, donc j'ai pas pu mettre. Attends, j'ai pas pu faire. Ah, je peux. Ah, merci. Parce que mon frein, il va pas. Allez-y. Non, c'est ce que j'ai fait. Je vais mettre un point. Et j'ai voulu m'arrêter, mes freins n'ont pas fonctionné. Donc je ne pouvais pas m'arrêter. Non. J'ai voulu m'arrêter pour mettre un point sur ma carte, sauf que mes freins ont arrêté de fonctionner. Et du coup, je suis allé tout droit. Ben, j'avais plus de freins. Allez-y, monsieur. Merci. Bonne journée. Bonne journée à vous. Merci, monsieur. Au revoir. D'accord. Au revoir. Oh, le 1000 euros, c'est tout. Le dit. Ok. Yes. Merci, au revoir. De quoi? LOL. Faut que je m'arrête, c'est ça? Bonjour monsieur, oui. Non, attends, c'est une blague. Bonjour monsieur. Voilà, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. On va dire que j'étais arrêté, j'ai dû vachement vite sur le... Dans le virage, donc je vais faire appel à votre honnêteté. À combien étiez-vous? J'étais à 139. Et votre collègue m'a escorté. Il me disait que je pouvais accélérer. J'ai jamais été au-dessus de 160. D'accord, ok, je vous crois. Donc, mais c'est vrai, que vous êtes là, c'est cool. On va procéder une petite vérification. Hein. Sans souci. Vous voulez les papiers d'identité, le permis de conduire? Attendez, je prends mon drone pour pouvoir vérifier votre plaque d'immatriculation. Pas de soucis, monsieur, faites-vous plaisir. Votre c'est fait pour. Votre plaque d'immatriculation n'a pas l'air bonne, j'ai l'impression de vous souvenir.
Si, si, elle est. Qu'est-ce que je fasse ? J'ai dit une connerie, elle est bonne. Elle est en règle, monsieur. Monsieur, votre assurance, votre nouveau véhicule, parce que vous étiez connu sous une Ford Fiesta. Oui. Voilà. Je l'ai changé. Votre métier a l'air de bien payer. Hein. Donc voilà. Oui, je veux savoir ce que vous. Avez-vous entendu parler du transport d'émigrés, de personnes recherchées, ainsi que de terroristes, parce que là, il bloque ses roues devant moi. De remonter avec les attentats en France, là, on est ouais, toujours en alerte attentat. J'en ai entendu parler, mais ça me dit rien du tout. Moi, je sais que d'accord, j'ai toujours transporté des présidents, tout ça, normal, quoi. D'accord. Malgré ça, vous avez l'air quelqu'un sympa, gentil, honnête. Oui. Et la loi m'oblige à vérifier votre véhicule. Vu que vous n'êtes pas en infraction. Vous ne pouvez pas, monsieur. Gentiment, honnêtement. Je vous le demande gentiment, vous n'êtes pas en infraction. Alors, pouvez-vous me dire ce que vous transportez ? Non, car je ne suis pas en infraction, monsieur, et. J'ai pas le droit de. Justement, j'ai pas le droit de vous le dire, mon métier m'interdit. C'est le secret médical comme dans les hôpitaux, monsieur. Secret professionnel. Parce que si la personne est malade, j'ai pas le droit de vous dire de quelle maladie elle est atteinte, si elle doit se faire opérer. J'ai pas le droit de vous le dire. Je suis désolé, monsieur. D'accord. Bon, je vois très très bien. Attends, qu'ils aient fini. Mais la loi, c'est la loi. Donc je vais vous laisser repartir. Allez-y. Vous voulez pas vérifier le klaxon avant qu'on parte, comme ça, moi, c'est fait. Ah, allez-y. J'ai fait un checking et tout. Ah voilà, bon, vous pouvez y aller. C'est parfait. Merci à vous, bonne journée, monsieur. C'est possible d'avoir une reconnaissance. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. Alors, je suis là. D'accord, ouais. Et tu l'as déjà fait 517 A I 2. Sans problème. Il n'a pas trouvé. Klaxon, voilà. Alors, j'ai pas dépassé la limitation de vitesse. Et j'ai demandé aux collègues de m'escorter pour passer. Pour dépasser les voitures qui sont sur la voie droite et qui se roulent bien en dessous de la limitation, je leur ai demandé, ils m'ont dit, allez vous faire foutre. Mais je demande, on me dit. Mais sauf qu'un de vos collègues m'a dit, on peut vous escorter pour que vous passiez entre les véhicules. Et il m'a mis une amende pour ça. Et il m'a dit, on peut vous escorter. Oui, là-bas. Ah, d'accord. Donc. Si. J'ai pas été sur le terre plat central. J'ai pas été sur le terre plat central. J'étais entre la voiture et le terre plat. Non, j'étais entre la voiture et le terre plat. C'est pour le keuf. Il y a outrage à un agent là, non ? À moi qui n'étais pas arrêté. Non, il était pas arrêté. J'étais sur français. Oh, c'est malade. Non, c'est moi, j'ai pas pensé prendre le nom. Oh, le mec il s'en bat les couilles, frère. Dodo. Oh le. Pas que tu m'as vu ? Ouais, je t'ai vu, frère. J'informe qu'il reste plus qu'une minute. Oh là là, j'ai même pas fait deux livraisons, moi. J'en ai fait 4. D'accord. Attends, moi j'ai même pas pu faire ma deuxième. Oula. Fragui, c'est pourquoi j'en ai fait 4. Les keufs, ils arrêtent pas de m'attendre. Ouais, il s'est jamais arrêté, frère. Oula, je me suis fait choper. Voiture en excès de vitesse, là, sur son paradis. Je me suis fait choper au moins 4 fois. Je me suis pris 5000 euros d'amende. Je me suis pris 1000, alors que je l'ai mis. Ouais, non, en vrai... Genre un truc, je zigzaguais pas, mais
des moments on aurait pu me. La BM est en excès de vitesse. Reconnaissance hélicoptère. Merde, c'est con, là, arrêtez-vous la BM. Eh les gars, là, par contre, je vais pouvoir y aller là. Tout le monde a ralenti. Oh, là. Bonjour monsieur. Je suis sûr, je t'ai envoyé mon dernier message. Cobber. Vous êtes pas. Quelqu'un peut aller vers le chatting, s'il vous plaît. Oui, je suis pressé parce que j'ai qu'une minute pour arriver à la destination. Quoi que vas-y, bien sûr. C'est pas le problème. C'est que là, sans mentir, j'ai dépassé. Sans j'en ai entamé une autre perso. Oui, j'en ai entamé une autre. Les gars, ouais, vas-y, c'est beaucoup. Ah merde. Puis-je avoir les papiers du véhicule, s'il vous plaît. On arrête. Oui, tenez. Eh, frag. Merci. Frag, comme c'est fini, je te dis. Pouvez-vous faire. Tout à l'heure, je me suis fait contrôler parce que je faisais des zigzags. Ouais. Et le mec il a oublié de me demander ce que je transportais ce con. Il aurait pu faire un C truc. Bah du coup on peut bombarder vu que... La plaque d'immatriculation de C-Fab. Ouais exactement. On peut plus se faire arrêter maintenant. Non mais vous terminez vos livraisons. Max, nickel. Le commissaire Grax Hybrid. Bon on peut bombarder. Ok on peut bombarder, nickel. Fusion ouais. La plaque d'immatriculation de Fab. J'ai pu commencer une nouvelle livraison. Tu me comptes les 2000 euros. Bah là c'est bon, on a fini là, non? Ouais ouais. On fait juste la dernière livraison, t'inquiète. Bonne nuit mec. Ouais bonne nuit mec. Moi je fais ma dernière livraison. T'inquiète pas, ça va aller vite frère. 2000 euros d'amende. Ok d'accord. Oh, ça va Dark, je t'ai pas fait retirer trop. Pour y aller. Pour rouler moins vite. Salut, là je vois plus. Ah, bonne journée. Une amende de 20 000. Salut les gars, après tu partes. Ça va. Hacker. Tu ouais, parles, ça veut dire. Tu sais, après t'as oublié de me redemander genre ce que je transportais. Oui, ah, je sais, c'est quand t'es parti. Je sais, c'est quand je suis parti, j'ai rentré. Attends, je vais dire combien t'aurais pu te faire. Combien t'aurais pu te faire des immigrés. Ah oui, mais j'ai fait que de l'immigré aujourd'hui. Max, je suis en train de finir ma dernière livraison. Je suis sur l'autoroute. Demandez à Prague, il y a des moments, j'étais à 100, à 200. Ouais, mec. Je vais le pourchasser direct là, c'est une question. Non, mais frère, on peut tracer. Hein. Je vais l'attendre. Non, mais on peut tracer, frère. Tu peux plus m'arrêter là. Cherche pas, c'est fini. Ouais. Je me suis fait ouais. Frag, t'inquiète. T'inquiète. Ah, ok. Ouais, parce que je vais entamer. Vas-y. Attends, je vais te dire. Bah attends, bah je te renvoie un message pour te dire ce que c'était, frère. Voilà. Tu sais ce que t'aurais pu mettre? T'aurais pu mettre 20 000 euros d'amende. Et je vais commencer à calculer. Et je te rassure, moi aussi. Et après, c'était. 3 amendes. Et à chaque fois, j'étais en illégal. Et personne m'a jamais demandé ce qu'il y avait dans le coffre. Tu sais, en fait, c'est pour ça que je voulais vite partir, tu sais. T'inquiète, bon. Je sais, mais c'est après quand je suis parti, j'ai eu un bâtard. Ah, j'ai eu un bâtard. Après, je voulais pas faire le mec. Tu sais, je voulais pas faire. Vas-y, viens là, j'ai oublié. Tu vois. J'ai niqué sa mère, il est parti. Prochaine fois, j'oublie rien. Tout le monde a fini de m'envoyer la dernière livraison. Ouais, bah j'arrive au parking, je me TP. Pourquoi ça va quitter? Ça va faire l'outro, frérot. Bah, fait exprès, c'est fait exprès. J'ai fait l'outro après là, les gars, dans 2 secondes. Là. Juste. J'ai fait l'outro là, les gars. Juste 2 secondes, le temps que j'arrive au parking. Et j'arrive. C'est pour ça que tu dis, ouais, je suis la police. C'est ma voiture. Oui. La voiture de la merde. Une de Prague et la voiture de Prague. Ouais, t'as fait combien de temps? J'ai pu en faire 3. J'étais sûr en train de faire ma dernière là, mais. Il doit tellement avoir le seul. Moi, je l'ai fait 4. Genre, que en immigré, mais genre, j'étais à 300 tout le long. Ah, je voyais un keuf, les lumières. Boum. T'étais à 300 si moi je roule limite, t'as vu. Mais non, mais Frag il se traînait le cul derrière les mecs. Moi je suis passé à fond sur la. Bah ouais, je me suis fait contrôler, frère. Je me suis fait contrôler par 2 flics presque en même temps.
Alors, ah non, bon, à un moment, tu sais, j'étais à fond sur l'autoroute. Des chemins de campagne inimaginables. Ah le bâtard. J'étais à fond sur l'autoroute et je vois un keuf, j'ai pilé un coup, il m'a rien fait. Bon, on fait quoi ? Sur ce, les gars, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à la chaîne de Érosion. Et on va continuer l'RP, voilà. Big up, big up. C'était avec ma nouvelle voiture, ouais, ouais. Ça représente tout. Et mon pognon, gros.